Salut la famille, c'est Maxoubou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Jackpot Expresso. Donc on va démarrer sans plus attendre, en espérant que j'ai eu un peu plus d'expresso de la semaine dernière. Souvenez-vous, j'en ai eu qu'un seul. Donc on va voir ça de suite. Premier expresso de la semaine, on est mardi, donc on est face à Poker 5867 et Philou Waouh. Alors j'ai aucune note, je connais pas les joueurs, donc j'ose espérer que ce n'est pas des règles. Néanmoins, on commence avec une petite dame 10 suitée, donc c'est une ouverture classique que je fais. On est flat par la small blind, fold big blind, flop 2-4-8, donc on n'a absolument pas touché ce flop. Il prend le lead, bon c'est pas forcément à lui de prendre le lead, mais moi je le vois bien protéger, jouer comme ça, protéger un 8 par exemple, la suite, ou des tirages, il peut faire ça aussi avec des tirages piques, mais au moins on peut absolument rien faire sur cette mise qui est même assez chère, donc on peut même pas raise en bluff. Il y a qu'une chose à faire, c'est folder. Valet 10 suité, juste check. Je vais pas raise, ça reste une très bonne main à jouer post-flop. Le flop, pas terrible non plus, on touche toujours rien. Il mise pot, bon malheureusement, encore une fois, hein, comme le coup précédent, on peut malheureusement rien faire, on sera obligé de folder. Donc on voit que Poker 5867 est quelqu'un de quand même assez agressif. 8-3 off sur un open de Philou Waouh, bon, bah, c'est un fold. Et As-4 off, c'est un shove, hein, 11,5 blind, spoilé par la small blind, et malheureusement, 8 blind call, avec une main qu'on n'a pas envie de voir à suite off, puisqu'on est complètement dominé, et il fait le 8 flop, donc c'est quasiment mort, on est drawn derrière la turn, et c'est terminé. C'est comme ça que le premier expresso de la semaine se termine, il a été rapide, puisqu'il a fait que 4 mains. Deuxième expresso de la semaine, on est vendredi, que le temps passe vite quand on s'amuse. On est face à VD Boss 7 et Filto, donc c'est ce joueur que je connais pas, donc je pense pas que ça soit des réguliers. Roi 6 off, c'est un fold bouton. Roi 10 suité, alors on a un limp du bouton et un min raise de la small blind. Donc déjà, avec ces informations là, on sait que c'est pas des règles, puisqu'on limp jamais bouton et quand on raise la small blind, on commence quand même à faire au moins 3,5 un minimum, même dans un gros multiplicateur là on fait absolument rien folder. Et on a roi 10 suité, j'ai pas forcément envie de 4 bet puisque ici il peut de temps en temps être en trap, donc roi 10 suité pour moi ça joue très bien post flop, donc je préfère plutôt coller quitte à être 3 dans le coup, de toute façon c'est ce qu'on la façon dont on est. Il prend le lead, bon on a complètement raté le flop, on peut jouer la quinte, runner, mais c'est vraiment la seule chose qu'on peut jouer, la couleur aussi, mais voilà, il fait très fort, il fait deux tiers pot, donc là c'est un fold évident. 9 de off, bon quand il limp, bon, ça confirme ce qu'on vient de dire juste avant, 9 de off ça reste quand même un fold, hein, pas déconner. 3-7 off, ok, bon je fold, pas de souci. Sur un limp, dame 3 off, bon. Je pourrais raise, hein, y a pas de... j'ai un bloqueur, j'ai quand même une dame, j'ai bloqueur sur ses plus grosses mains, c'est limp trap. Non, moi j'ai préféré, je crois, ouais, j'ai préféré coller, bah checker, pardon, sur un flop, bon, il est pas connecté du tout. J'aime bien mettre une blind, voilà, faire folder des mains qui est absolument pas touché, bon, il colle. Du coup, je pense que j'ai give up, il check et check, bon, c'est give up. Il avait un 8, bon, je pense pas que j'aurais fait folder un 8, même en 2 barrels ou 3 barrels. Roi 3 off, j'ai plus que 4 blinds. Alors, comme je vous ai dit pendant la partie, je me suis vraiment rendu compte qu'ils étaient hyper passifs et j'ai l'impression qu'ils jouaient leur tournoi, quoi. C'était le tournoi de. Peut-être pas de leur vie, hein, pas déconner. Mais ils limpaient énormément. Ça montrait énormément de faiblesse. Donc, quand j'ai un bloqueur Roi 3, comme j'avais un bloqueur Roi 3, j'ai décidé de shove en fait. Parce qu'il y a énormément d'argent mort, ouais, j'en ai mis 4,25, il y en a 6,25, et je le vois très souvent fold, et c'est ce qui s'est passé, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'être assez agressif sur le Roi 3 off, parce que pendant le game, j'ai vu bah, les quelques coups qui sont passés, là il y avait eu 5 coups avant, que les gars étaient hyper passifs. 5 de suité, néanmoins, on va quand même folder, faut pas déconner. Ici, bon voilà, ça relim, donc très bien, on va aller voir un flop. On fait double paire. Par contre, notre double paire, elle est quand même vachement menacée puisqu'il y a quand même énormément de tirages. Alors, tirage couleur, tirage quinte. Donc, on a quasiment la mise du pot. J'ai préféré prendre le lead. C'est pas quelque chose que je ferais très, très souvent. Néanmoins, là, j'ai besoin d'énormément de protection. Un roi me paiera, un bon pic me paiera. Et dans les deux cas, je serai devant. Donc, je préfère le prendre, le lead, tout de suite. Et on a un fold du bouton et un fold de la small blind. Donc, on prend... on double nos stacks là-dessus, donc c'est plutôt cool. As-8 off,
sur un fold du bouton moyen, il va falloir que je shove, hein, puisque lui joue 3 blinds. C'est fold, donc on récupère encore la big blind. 5 de off, on va folder, bon ça fait all-in, on va se retrouver en heads-up confilto. On a exactement le même tapis, donc ça va jouer à pas grand-chose. Assis off sur un lit, bon, je vais shove, hein, encore de l'agressivité, j'ai un as hauteur, donc il n'y a pas de souci. 5 de off, bon là c'est un fold, faut pas déconner. C'est ce que j'ai fait, 9-6-8 et... Sur un min raise, bon, on va coller, hein, on va pas 3-bet shove avec 9-6-8, on est très content d'aller voir un flop. C'est ce que je fais. On touche middle pair. Il check, je check, il check. Et ici, bon, bah, je vais tout envoyer, hein, puisque un roi, il aurait payé, il aurait misé au flop. Et s'il a touché un 8, et ben tant pis. Et j'ai quand même besoin d'un petit peu de protection avec mon 6. Donc, je préfère, voilà, prendre all-in, prendre le lead. Et faire folder des mains qui peuvent peut-être nous battre à la river. As de off, donc là, il n'y a plus qu'une chose à faire. On fait shove, il fold. Et il met une blind, donc il n'a pas envie de mettre son 0,5 restant. On va pas se faire prier, hein. on va shove, hein, et je pense qu'il va coller tous les jours. Paire de 5, ok, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on y aurait été. Pas de miracle. Donc, il double et on passe à 3 blinds. 7-6-8, bon, 3 blinds, on va shove. Il shove. On colle. Non, je shove. Il colle. On fait le 6. Ça nous met bien. Il n'y a plus que 6-82. Est-ce que la river va le sauver? Est-ce qu'un valet va tomber? Non. Et on remporte du coup ce deuxième expresso. Donc, on part avec 200€. Donc, ça fait très plaisir. Troisième et dernier expresso de la semaine. On est samedi. Donc, on se retrouve face à MJ99 et des... Je sais pas trop comment on le dit. Joueur que je connais pas. Donc, on n'a pas eu de règle cette semaine sur les gros expresso. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on démarre sur un 8 de suité. Donc, les mains que je vais limper, tranquille. Ça colle, flop intéressant, on n'a pas touché, mais on est quand même assez connecté. On peut faire des petites quintes et des petites couleurs à la river. Ça check, check, check. Last turn, donc il a très peu d'as, donc je pense que je l'ai pris, ouais, je l'ai pris en bluff. Je mets une petite blind s'il n'a rien touché, des autres, et je ferai folder facilement des hauteurs qui me battent. C'est le cas, donc on remporte ce petit pot, le premier petit pot. As de suité, 15 blind, je vais shove. C'est une main que j'ai pas forcément aller voir post-flop. Si on peut prendre les blinds tout de suite, c'est très bien. C'est ce qui se passe, donc c'est plutôt cool. Limp du bouton, donc voilà, on n'est pas devant un règle, donc ça c'est très bien. Bon, 19, off, on va aller voir un petit flop tranquille. On fait middle pair, bon, je check, il check. Doublette du roi, bon, là je pense qu'on est très souvent devant, donc je vais mettre une petite blind. Voilà, pour essayer de lui faire peut-être coller des hauteurs as, des hauteurs dame, ce genre de main. Il colle, dame river est pas superbe puisque bah, ça fait quand même. Il peut coller aussi des valets neufs, bon, même si on en bloque quelques-uns, des dames X, ce genre de main. Donc on n'est pas superbe cette river. Je check, du coup je décide de checker et il mise. Bon, de toute façon on est quand même obligé de coller de temps en temps, il est en bluff. Et malheureusement, il a touché sa dame river. Donc, c'est pour ça que j'ai checké à la, voilà, à la river. J'ai pas continué mon deuxième barrel puisque, bah, de toute façon, j'aurais pas pris deux streets de value sur une hauteur. Donc, je préfère, voilà, la jouer tranquille, le laisser bluffer s'il a un bluff. Là, malheureusement, il était en value, mais on n'a pas d'autre choix que de coller. Valet 4 suité. Bon, sur un all-in du bouton, on va fold. Roi 8 off, 1,5 blind. C'est un fold, j'ai vérifié, il faut que j'y aille avec Roi 9. Donc là, c'est vraiment la limite du fold. On a bien fait de folder cette main. 8-3 off, bon, sur un shove de la small blind. La small blind est déjà un peu plus compétente que le bouton. Ça fold. Bon, all-in, pas de raison de y aller. 8-4 off, 5,25 blind, on va pas y aller. Dame 10 off, vous pouvez me huer parce que j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai foldé Dame 10 off. Et bien entendu, j'ai été vérifié après l'expresso. Parce que j'en étais pas sûr, hein, j'ai quand même assez tanké. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai foldé. C'est qu'en fait, MJ99, bon, je vous ai fait en accéléré, mais je le trouvais vachement tight. Voilà, je le trouvais très tight. Et là, quand il fait all-in, pour moi, ça représente énormément de force. Et du coup, bah, avec mon Dame 10 off, je me voyais derrière, complètement derrière.
Dame 10 suité, j'aurais collé, c'est sûr, mais là, j'ai décidé de fold. Roi 10 off, j'aurais été aussi, mais la théorie dit que Dame 10 off à 5,25 blind, il faut coller face à couteau. Donc, vous pouvez muer, vous pouvez écrire tout ce que vous pensez dans les commentaires. Je le mérite, c'est un fold que j'aurais pas dû faire. All-in du bouton. Bon, là, par contre, à 5 suité, c'est trop fort. On va y aller. On se retrouve face à Dame 10 off. Flop magnifique. On touche couleur flopée. Donc, elle est belle. On a 87% de chance de gagner. Pas de miracle la turn. Donc, on double sur le coup. On repasse à 9,5. Donc, on est plutôt bien. On passe chip leader. Red off, bon, ça sera un fold. Ici, 17 suité. Bon, sur un line de small blind, c'est un fold. Donc, pareil, c'est limite. Hein. Là, on a quand même forte chance de se retrouver à 3. Donc, on préfère pas y aller. Ça colle, valet 10, contre 9. Bon, on est plutôt content du coup de ce fold, puisqu'en plus, on joue même pas les carreaux. Pas de miracle pour MJ 99. Donc, il fait doubler notre ami là, qui a l'air plutôt compétent. Valet 5 off. Alors, c'est limite. Valet 5 off, c'est très limite à 4 blinds. Et quand c'est limite, bah, je me mets par rapport au joueur. Donc, comme je vous ai dit, MJ99, je trouvais que c'était un joueur qui était très tight. Donc, dans la limite, je me dis, je vais avoir plus de fall equity que la normale. Donc, Valet 5 off, je vais y aller. Malheureusement, on tombe très mal puisque As-Dame off, bon, c'est un call tous les jours. Hein, on ferait jamais rien folder. Et bon, bah, il touche l'as au flop. On est dans l'inhalateur. Donc, on le fait doubler et on passe à 4,5 blinds. Donc, c'est un peu ennuyant. 8-5 suité, 3 blinds, je fold. Alors, sachez que j'ai regardé la théorie, c'est un all-in à 8 et 6 suité. Voilà, bouton 3 blinds. Donc, on est vraiment à la limite de la limite. J'ai vraiment, franchement, sur cet expresso-là, sur ce japot, j'ai eu des mains très, très border. Donc, ça se joue à pas grand-chose sur la théorie. Bon, je fold. Il se prend un all-in. 8-4 off, bon, 3 blinds. Là, par contre, pareil, ça doit être un call théorique. Mais j'ai trouvé, encore une fois, c'est la même raison. MJ99, je l'ai trouvé plutôt tight. Donc, dans le doute, j'ai préféré folder et rester à 2 blinds. Ce qui est encore une erreur, à mon avis. Et on se retrouve avec 2 blinds à 7 suité. Ça sera un call. Et MJ99 se joint à la fête. On est complètement dominé par la main de Degrenesd. Malheureusement, pas de miracle. Il fait même la salle à turn. On va perdre ce coup et ce jackpot. Et je pense que c'est clairement mérité parce que j'ai fait pas mal d'erreurs sur cet expresso. Donc voilà. Et c'en est fini des jackpots expresso de la semaine. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous pour mon prochain live dimanche soir puisque je ne pourrai streamer vendredi après-midi. La simple raison, c'est que je suis en déplacement. Je serai chez des amis à Nantes. Voilà, vous savez tout. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao.